Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture des calendriers de l'Avent, donc du numéro 5 et du numéro 6. Alors aujourd'hui, nous sommes le dimanche 6. Mais hier, voilà, j'ai pas eu le temps d'ouvrir mes calendriers de l'Avent. Donc du coup, ça fera une petite vidéo un peu plus longue. Je pense que ce sera un peu plus sympa. Et du coup, on va ouvrir le 5 et le 6 aujourd'hui, voilà, ensemble. Donc, ma colle, elle est tombée. Elle est... Oh là là. Bon, voilà, j'ai fait du slime. Donc, nous allons commencer tout de suite par les numéros 5. Alors là, j'ai le 5 de... excuse-moi, alors j'ai la mouta en tête, mais on vient de se parler il y a 2 minutes. D'Amélie, voilà, j'ai le 5. D'Amélie qui est juste là. Là, j'ai le 5 de Dory. Et là, en 5, donc j'ai pris celui-ci. Parce qu'après le 4, j'avais plus de numéro. Elle m'avait dit tu prends au hasard. Donc j'ai pris celui-ci de Sandra. Et après Sandra, on a aussi le gros, hop, qui est juste là. Voilà, comme ceci. Et donc le numéro 5 est ici. Donc on va l'ouvrir tout de suite tant que je l'ai dans les mains. J'ai Jishka qui est en train de fouiner partout. Je sais pas ce qu'elle fait. Donc on va ouvrir le 5. Hop. Oh. Il est super beau. Jamais j'ai vu celui-là. En même temps, je connais pas tout. Ishka, arrête de fouiner, là, il n'y a pas à manger. Alors, j'ai un super washi avec des petits chapeaux du Père Noël en fait. Vous voyez rien. Comme c'est bizarre. Alors voilà, avec des petits chapeaux. C'est que ma fenêtre elle est trop ouverte aussi comparée à d'habitude. Alors, je vais fermer un peu les volets parce que sinon il y a le contre-jour. Voilà, ce sera peut-être un peu mieux, c'est pas sûr. Mais voilà, donc je reviens. Ouais, mais en fait, non, voilà. Franchement, il est super joli, quoi. Je sais pas si tu l'as vu. Et alors, en plus, on en a un bon métrage, quoi. Enfin, je te remercie beaucoup, il est super quoi, j'adore. Alors après il est sur les tons de bleu, mais bon ouais, franchement il est super canon quoi. Enfin moi j'aime beaucoup. Je te remercie beaucoup, Sandra, c'est super. J'ai pas de nouvelles de toi, je sais pas si mon calendrier te plaît. Si tu vois la vidéo, si tu peux m'envoyer un petit message ou quoi, j'espère que ça te plaît. Alors hop, donc, je vais ouvrir le deuxième donc de Sandra. Donc c'est dans une poche comme ça. Oh cool, c'est une encre noire de chez Aladdin. Ah génial, je vais la tester. Ça me changera de la Memento un peu. Je verrai comment elle fonctionne celle-là. Moi j'utilise la Memento et en encre noire comme ça, j'en avais pas, donc c'est juste top. Oh, je te remercie beaucoup. J'ai 2 beaux cadeaux là, c'est super. Et ben je l'essaierai, je vais voir ce que ça donne. L'encre comme ça, connais pas du tout. Moi j'utilise, j'en ai mais d'Aladine, mais les comme ça là, vous voyez, mais pas en grosse comme ça, j'en ai pas. Ben je te remercie beaucoup beaucoup Sandra. Ensuite je vais ouvrir celui d'Amélie. C'est bon, le prénom est revenu, je vous jure des fois. Et alors nous avons alors le petit chocolat, donc on a un petit Père Noël comme ceci. Donc j'ai une boîte là en bas dans ma cuisine et je suis en train de mettre au fur et à mesure tous les chocolats. Je vous dis, bah, j'en ai au taquet. Plus ce qui me restait que moi j'avais pas tenu dans les calendriers, donc j'ai de quoi faire. Oh, elle m'envoie des, oh là là, mais tu m'as pourri. Hein. Elle m'envoie des embellissements comme ça en genre de bronze. Ils sont juste trop beaux quoi. Alors on a un papillon. On a des petites fleurs comme ça. Après, on a ça où au moins on peut mettre une petite découpe au milieu, faire un genre de cabochon quand on met ce qu'on veut. Ensuite, on a une fleur comme ça. Pareil, au milieu, je peux faire une petite découpe et y mettre quelque chose. Et après, on a ça. J'adore ça pour le vintage. Après, pour le mix média, mais moi, j'en fais pas énormément. Mais là, pour le vintage, moi, j'aime bien mettre ça sur mes cartes et tout. C'est génial. Vous voyez, c'est super beau quoi. Je te remercie beaucoup Amélie. Moi, je t'ai pas gâté autant dans mon calendrier de l'Avent quoi. J'ai mis plus avant que je t'avais dit dans le calendrier quoi. C'est super en tout cas. Je te remercie énormément.
Mais il fallait pas mettre tout ça, quoi. Ensuite, Mademoiselle Dory. Alors là, j'avais offert en fait des lumières, il me semble, au numéro 5, où c'était aujourd'hui. Parce que je me rappelle parce qu'elle poste sur mon Facebook. Donc j'avais offert des petites, genre des petites épingles à linge comme ça en guirlande et où on peut mettre des photos dessus. Parce qu'on avait dit qu'on s'offrait pas que du scrap et j'avais trouvé ça rigolo. Et du coup, c'était ça que je lui avais offert, moi, aujourd'hui ou hier. Oh là là, elle était malade, quoi. Oh là là. Mais un, ça suffit. Alors, attendez. Désolée pour le bruit. Mais un, ça suffisait. Ils sont magnifiques. Je sais pas où tu as eu ça. Mais. Alors, c'est des rubans de la marque comme ceci. Ben, c'est un peu comme j'ai trouvé à Noz, moi. Mais ceux-là, je ne les ai pas vus du tout. Et alors, on en a un où c'est des étoiles. Il est trop beau. Et je suis gâtée aujourd'hui. Franchement, les filles, vous m'avez gavé. Donc là, c'est des étoiles. Ensuite, on en a un rouge et c'est des petits rennes. J'ai jamais vu ça. Même dans des halls et tout, jamais j'ai vu ça, quoi. Vous voyez rien là. Si j'enlève un petit peu le plastique. Vous voyez, c'est des petites têtes de rennes comme ça. Ils font. Et franchement, il est juste magnifique. Et après, on a des étoiles, mais un peu couleur bleue. Voilà, comme ça. Ils sont super beaux, ces rubans. C'est waouh, je n'ai jamais vu cela. Et alors après, on a 3 mètres de chaque. Donc il y a de quoi faire. Et franchement, ils sont juste magnifiques. Mais t'en aurais mis un. Voilà, ça faisait 3 jours de cadeau, ça. Espèce de folasse. Je te remercie beaucoup en tout cas. Les filles, je vous remercie beaucoup. Les numéros 5, ils sont juste terribles. J'espère que ben, moi, ça vous aura plu aussi ce que je vous ai mis dedans. Amélie, ben toi, je t'ai pas autant gâtée, quoi. Là, tu mets des objets en bois, des objets en métal et tout. C'est juste top, quoi. Voilà, je suis gâtée. Ensuite, les numéros 6. Alors, pareil, pour Sandra, du coup, j'ai pas de numéro. Donc, j'ai pris celui-ci. J'ai pu jouer au pif dans le. Dans le carton, donc le numéro 6 d'Amélie, il est là, et après on a le gros numéro 6 là à côté, donc je vais le prendre après. Donc on va ouvrir celui d'Amélie en premier, on va changer un petit peu. Hein. Alors, on a, voilà, j'ai deux chocolats, donc j'ai un Twix et un, et j'ai un euro. Voilà, une pièce en chocolat et un Twix, comme ceci. Et après, j'ai de la petite dentelle. Alors, toi, tu t'es pris chou, t'as mis tout dans des petits. Mais en même temps, j'avais pas des petits sachets comme ça. Dans des petits sachets et tout, moi, j'ai tout mis au fond de la boîte, quoi. J'abuse. Et on a un bout de dentelle comme ça. Elle est super chouette, d'ailleurs. Vous voyez, un bout de dentelle, là, elle est super sympa. Peut-être que sur mon pull bleu, vous verrez mieux. Elle est super jolie, j'aime beaucoup. Je te remercie énormément. Elle est super chouette. Et les petits chocolats, ils vont aller dans ma petite bonbonnière que j'ai en bas. C'est génial. Merci beaucoup. Ensuite, eh ben, on va faire celui de Dory. Hop, on va changer un petit peu. Alors en tout cas, c'est très très lourd. On dirait soit c'est un carnet ou soit c'est comme un album. Ah, genre des sticky notes, c'est ça? Oh, je catu plus. Oh là là. Alors là, c'est pas le fromage. Hein. C'est la chienne. Oh là là. Alors, pour ceux qui ont des bulldogs français connaissent mon désarroi là, mais là, c'est une catastrophe. Putain, Ishka. C'est génial. C'est juste un truc de malade tout ce qu'il y a. Donc en fait, c'est des sticky notes. Putain, Ishka.
Alors là, c'est bien ce qu'on peut. Alors, j'allais dire, c'est bien, on peut faire la liste de courses, mais c'est un truc que je ne fais jamais. Ou alors, si vous êtes comme moi, je fais ma liste de courses et en fait, arrive aux courses, ah mince, je l'ai oublié. Voilà, vraiment, moi, c'est toujours comme ça. Et après, on en a en forme de feuillage. Franchement, il est juste génial, quoi, ce bloc. Et lui, elle adore ça en ce moment, je vous l'avais déjà dit. Elle met des petits mots partout. Et là, on a des petits, on a des un peu plus gros comme ça, des grandes feuilles. Après, on a en forme de feuilles comme ceci. Et après, ben, vraiment en to-do list, ce qu'on doit faire, ou la liste de courses, ou des choses comme ça. Et franchement, il est juste top. Il est génial, quoi. Une fois qu'on a fini, même ça, bon, après, il faut les finir parce qu'il y en a un paquet dedans. Et après, la base, là, on peut s'en servir pour faire un album, quoi. Là, vous voyez, vous avez déjà la structure de l'album qui est faite avec l'aimant en plus à l'intérieur. Une fois que vous avez fini les choses comme ça, jetez pas les structures, gardez-les et après faites-en un album. En tout cas, je te remercie beaucoup, ma petite Tori. Il est super génial, quoi. J'adore. Alors, il y en a 70 par motif, c'est ce que je disais en fait derrière le papier. On a quand même 70. Donc avant que je le vide, je vous dis que j'aurai le temps de. Mais ça, je vais le laisser à côté parce qu'en ce moment, je prends des chutes de papier pour écrire quand je vous fais les tutos et tout. Alors que j'aurai ça là, voilà, je note et au moins j'ai mon petit papier, même je le colle devant moi et ça serait plus simple. Donc ça va rester à côté de moi. Ensuite, nous allons ouvrir le numéro 6 du gros calendrier. Hop, de la fille à Sandra. Alors, le 6, il est juste là. Voilà. Donc, c'est parti. Oula. Alors, c'est comme la dernière fois. La dernière fois, j'ai eu des, vous savez, en métal, des flocons de neige. Et là, c'est des étoiles. Alors, attendez, est-ce que j'ai ça qui me gêne? Elle a fait comme moi, elle l'a mis dedans. Moi, c'est ce que j'ai fait à Amélie, j'ai mis tout comme ça. Oh, elles sont géniales. Mais je sais pas où tu as eu ça. Sans moi, mais c'est juste au top, quoi. L'autre fois, vous avez vous rappelez, j'avais eu les étoiles. D'ailleurs, je les ai mis dedans, hein, parce que c'est là où je mets tous mes petits trucs. J'avais eu les petites étoiles comme ça, en métal. Comme je vous disais, en ordi de sequin. Enfin, des étoiles de neige. Donc là, c'est des étoiles, mais pareil en métal comme ça. Et là, on a plusieurs tailles. Alors, on en a des grosses comme ceci, en rose gold. Elles sont super belles. On a des petites comme ça. Et après, on a des un peu plus grosses, vous voyez. Elles sont juste top, ces étoiles. Je sais pas où tu as eu ça. C'est génial. Et attendez, il y a la taille. En fait, on a une autre taille là, je crois. Ouais. Donc, on a. Hop, 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 hop. C'est top, hein. Et je vous dis, c'est du métal, quoi. C'est génial. Je sais pas où tu as eu ça. Je te remercie beaucoup. Ben là, à chaque fois, j'avais pas d'étoiles pour quand je fais mes sapins ou des trucs comme ça sur les cartes. Et là, un truc comme ça, juste en haut, ça va être juste top. Je te remercie beaucoup. Donc ça, on va essayer aussi de les caler là. Voilà, comme ça au moins, ils sont rangés. Et je sais, là-dedans, c'est généralement des trucs un petit peu de Noël, des trucs en bois. Hop, je te remercie beaucoup, Sandra, c'est génial. Et ensuite, là, donc là, je sais que c'est du Stamperia. Elle m'a marqué Stamperia quand tu nous tiens. Pour moi, ça a l'air d'être un moulage. Alors moi, je n'ai pas de plâtre, je n'ai pas de résine, donc faire les moulages. Donc, j'investis dedans, mais je sais pas où est-ce qu'il faut que j'achète ça. C'est un moulage en fait. C'est pour faire des moules. Mais moi, il faudrait que j'investisse dans de la résine. C'est plus sympa quand même avait fait Amélie là. C'est quand même plus joli. Donc en fait, c'est des cercles avec plusieurs dessins à l'intérieur. Alors je ne sais pas si vous allez voir. Est-ce que si je mets un fond blanc, vous allez voir, c'est pas sûr. Non.
non plus. Alors, comment on va se faire? Alors là, on a un petit lapin. Là, en fait, on a une genre de petite... des branches. Là, on a une licorne. Là, on a un petit renard. Là, on a marqué « Amor ». Là, on a une fleur comme ceci. Ensuite, là, nous avons un deuxième renard. Vous voyez pas très bien, en fait. Je suis désolée. Là, on a le mot « Félicis ». Et après, on a encore un mot « Amor ». Voilà. Je te remercie beaucoup, Sandra. C'est juste au top. J'en avais pas. Pour faire des moulages comme ça. Et après, il faudra juste que j'investisse dans de la résine. Parce que je trouvais ça beaucoup mieux que le plâtre. Ben, je vous remercie beaucoup les filles. En tout cas, vous m'avez super gâtée encore une fois. Vous voyez, la vidéo au moins fait 15 minutes. C'est plus intéressant à regarder qu'un truc de 2 minutes. Et les filles, encore un grand merci. Voilà. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout, restez comme vous êtes. Bisous la team.